De la vie de notre pays. À travers vous, c'est à toute la nation guinéenne que je m'adresse. La décision que je prends ce matin, dont l'histoire sera témoin, est lourde de conséquences pour chaque Guinéenne et pour chaque Guinéen. Elle n'implique pas que notre parti. Elle est si essentielle qu'on sait qu'elle affectera le cours de notre destin à tous. J'ai entendu vos cris de cœur. Je mesure à sa juste valeur la gravité de la situation sociopolitique de notre cher pays. Je mesure également le poids de l'immense responsabilité qui pèse sur mes épaules en ces temps d'incertitude, d'inquiétude, voire même de solitude. Je sais vos attentes. Je connais vos appréhensions. Je sens en moi chacune de vos interrogations, puisqu'elles ont résonné chaque jour dans le très fond de mon âme ces dernières semaines. Vos craintes sont justifiées, elles sont légitimes lorsqu'on a affaire à un président roublard et sans scrupules. Chacune de nos actions doit être questionnée avec intelligence, posée avec pertinence. Chers compatriotes, mon choix de diriger un parti politique procède d'une conviction inébranlable. Pour accéder au pouvoir, il faut participer à des élections. Je fais le choix de conquérir le pouvoir par le biais de la confiance du peuple qui s'exprime librement par le suffrage universel. Je suis un républicain convaincu, attaché aux valeurs universelles de démocratie,
Je suis par ailleurs, comme vous le savez, un homme préoccupé par la paix et la cohésion sociale dans notre cher pays. C'est au nom de ces principes qu'en 2010, lorsque notre victoire à l'élection présidentielle nous a été volée, je me suis abstenu de toute réaction qui aurait pu déboucher sur une guerre civile compte tenu du contexte qui prévalait. Au nom de ces principes et de ces valeurs, j'ai été écrasé par un profond dilemme, celui d'aller à cette élection présidentielle ou pas. Alors, ces derniers jours, j'ai posé des questions et j'ai beaucoup écouté. J'ai écouté parce que j'avais besoin d'entendre la lumière de la sagesse de chacun pour éclairer mon chemin. J'ai écouté parce que j'ai l'intime conviction que chacune de mes décisions doit être le fruit d'une concertation nourrie de contradictions, d'interrogation, d'opposition afin que chaque voix pèse de tout son poids dans la décision. Le choix de participer à une élection, alors que la transparence et l'équité du scrutin ne sont pas garanties, n'est pas facile à faire. La complexité de ce questionnement a hanté mes nuits, traversé d'insomnie, mes journées chargées d'interminables rencontres avec des interlocuteurs issus de toutes les catégories socio-professionnelles. Fort de tous ces échanges, de tous ces avis, c'est maintenant à moi, en tant que président du parti, qui revient de clôturer ce débat en toute responsabilité. La décision prise en concertation avec mes proches collaborateurs d'engager l'UFDG dans cette compétition repose sur des avis motivés de l'écrasante majorité de nos fédérations, de l'intérieur et de l'extérieur, ainsi que du libre choix des membres du bureau exécutif national. Mesdames et messieurs, maintenant, vous me faites l'honneur de me demander de représenter notre parti à cette élection. Est-ce vraiment le choix? Lorsque les militants et responsables de notre parti, dans leur quasi-unanimité, me le demandent. Est-ce vraiment le choix quand on sait que les Guinéens, dans leur écrasante majorité, m'ont fait confiance et fondent dans ma modeste personne tout leur espoir, toute leur espérance comme ultime recours face au pouvoir despotique et clanique de M. Alpha Condé? Est-ce vraiment le choix? Le choix de renoncer face à une horde sans foi, ni loi, qui a décidé de confisquer le pouvoir, de diviser la Guinée et de piller nos ressources? Est-ce vraiment le choix quand on est face à un adversaire obsédé par le pouvoir qui ne se préoccupe ni de l'état de nos routes, ni de nos hôpitaux, ni de nos écoles? Est-ce vraiment le choix quand on est face à un pouvoir qui a peine d'égard pour les droits humains, les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit? J'ai encore frais dans l'esprit et chaud dans le cœur la mémoire de tous ces jeunes martyrs tombés tragiquement sous les balles assassines de ce régime sanguinaire. Que leur âme repose en paix. Que Dieu nous donne la force et le courage de poursuivre leur combat jusqu'à la victoire finale. Mes chers compatriotes, le sacrifice de ces jeunes concitoyens appelle à la résistance.
Leur sang m'engage à la détermination. Leur âme crie à la fleur de l'âge ou au zénith de leur vie. Réclament la liberté et la prospérité au bénéfice de, du peuple de Guinée pour lequel elles sont données. Non, ce n'est pas en allant aux élections qu'ils n'ont pas d'argent. Nous n'avons pas le droit de nous résigner ou encore nous apitoyer sur notre sort et se laisser prendre dans la boue d'une quelconque culpabilité qui nous ferait perdre de vue l'essentiel. Le coupable, ce n'est pas nous. Le coupable, c'est la Fatonde. C'est lui qui a armé sa milice et jeté cette horde sauvage aux trousses de nos combattants. En ce qui nous concerne, nous avons l'obligation de nous dresser devant ma faculté sans concession aucune pour honorer le corps de nos martyrs donné sur le chemin de la liberté. Le jeune qui a été abattu à Bakir, dans le bilan macabre de la répression des manifestations, c'était la 204e personne. 204, je le dirais. Dont 100 dans le cadre de la lutte contre le troisième mandat. Et 104 dans le cadre des manifestations politiques. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas en dénonçant qu'on peut se libérer de notre responsabilité de poursuivre leur combat. Mes chers compatriotes, en ce jour, je me tiens devant vous par ma conviction inébranlable que notre combat doit continuer. Je me tiens devant vous par la force de votre confiance permanente en moi et au nom du serment de la construction d'une Guinée que je vais unir et servir. Mais il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Avec une constitution falsifiée, un fichier électoral tronqué et taillé sur mesure, une CENI et une cour constitutionnelle totalement inféodée à Alpha Condé, la tâche ne sera pas facile. Elle ne sera pas une piece of cake, comme disent les Anglais. Ce n'est pas pour autant qu'il faut céder aux forces de l'abandon. La Guinée est aujourd'hui dans une situation de non-droit. Il faut obligatoirement corriger cela par un retour à un ordre constitutionnel normal. Nous le ferons ensemble. C'est donc dans la foi de cet exaltant projet commun, celui de libérer notre pays de la dictature, que j'accepte votre décision de m'inscrire. Comme candidat de l'UFDG à l'élection présidentielle du 18 octobre 2020. Ensemble, nous rétablirons la souveraineté du peuple. Une souveraineté aujourd'hui travestie et détournée. La dictature n'est pas une fatalité. L'alternance démocratique est possible. Elle est à notre portée. Pour garantir cette volonté de changement, nous devons résolument nous engager de maintenant à nous battre. Se battre pour gagner, se battre pour conserver notre victoire. Oui, si Alpha Condé ne reconnaît pas sa défaite dans les urnes, nous saurons la lui démontrer dans la rue sans coup férir. Et nous prenons la communauté internationale qu'il est hors de question cette fois-ci que notre victoire soit conditionnée. Je dis bien qu'il est hors de question cette fois-ci que notre victoire soit conditionnée.
communauté internationale interpelle Alpha Condé, qu'elle lui rappelle les règles élémentaires de la démocratie. Si c'est entre nous-mêmes qu'elle abandonne cette mission, alors Alpha Condé assumera toutes les conséquences de son endettement et de sa nécromanie électorale. Nous lui donnons rendez-vous le 18 octobre. Nous lui montrerons que notre volonté de changement et d'alternance ne se négociera pas. Merci. Heureusement pour nous, c'est la volonté de tout le peuple guinéen, nous en sommes conscients. 2020 n'est pas 2010. De représenter notre parti à l'élection présidentielle, à condition que vous engagiez résolument et dès maintenant à voter et à sécuriser les suffrages que les Guinéens ne manqueront pas de nous accorder, et surtout de vous battre pour refuser, quoi qu'il arrive, que notre victoire nous soit volée, comme c'est si souvent le cas. En acceptant de participer à cette élection, nous avons voulu, en plus des manifestations pacifiques auxquelles l'UFDG continuera de prendre part, de transporter notre combat contre le troisième mandat dans les urnes. Parce que l'UFDG a usé de toutes les places publiques pour manifester contre le troisième mandat jusqu'au dernier jour, et nous serons dans les yeux pour empêcher Alpha Condé de se trahir le troisième mandat.